et dans les airs, un dispositif de recherche colossal a été déployé. Aujourd'hui encore, le périmètre est bouclé par les gendarmes. Après plus de 4 heures de recherche hier soir, une centaine de personnes a tenté de sauver la famille emportée, en vain. On a vraiment tourné entre le port de Port-Coubouze, on a été jusqu'à la pointe du Mouton. C'est toujours très compliqué de se dire qu'on a été impuissant. La raison pour laquelle les bénévoles s'engagent à la SNSM, c'est aussi avec cette idée de venir porter secours. C'est un drame. Les parents sont finalement retrouvés en arrêt cardiaque. Le corps du garçon de 12 ans, lui, est repéré juste avant la nuit, sans vie. La température de l'eau en Bretagne en ce moment, elle est inférieure à 15 degrés. Donc on sait que le temps de survie dans l'eau est court pour un naufragé. Emporté par une vague sous les yeux des 3 autres enfants de la fratrie, restés sur le quai. La famille tenait à rester.